Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est Test Actu Tuto. On va faire une nouvelle série sur l'électronique. Donc nous allons parler de tout ce qui est de circuit, on va faire des astuces, on va créer des choses. Donc aujourd'hui nous allons créer. Enfin, nous allons pas créer, mais je vais vous montrer comment produire de l'énergie avec un moteur. Donc c'est simple, vous prenez un moteur, n'importe lequel. Et que vous ayez un vélo. Donc, vous avez le moteur. Bon, moi, j'ai le moteur. Je l'ai pris un plus gros pour l'attacher sur mon vélo. Donc, moi, je l'ai attaché devant. Et j'ai pris un ampèremètre pour vous faire un test tout à l'heure. Donc, il est crade parce que j'ai fait plusieurs tests. Donc, vous voyez le moteur ici. Enfin, là, c'est le cul du moteur, on va dire. Avec les deux câbles, celui-là et celui-là. Qui sortent, qui vous sortiront l'énergie. Et ensuite, je sais pas si vous voyez, mais ici là, ce petit truc, elle touche la roue, le pneu en fait. Et le pneu, quand il va tourner, il va faire tourner cette petite tige là, qui produira plus de volts qu'il n'en sort. Donc là, il va falloir pédaler vite ou pas vite, cela dépend de la grosseur de votre moteur et le volt qui sort, pour que vous ayez de l'énergie. Donc nous allons faire un test sur la route. Et on se retrouve sur la route. Donc, je vais pas pédaler trop vite parce que mon câble rouge fait presque que se débrancher. Donc je sais pas si vous entendez, je vais voir tout loin. Et donc on va bien voir qu'il produit des volts. Excusez-moi pour le moins. On se retrouve parce qu'on manque là, j'étais débranché. Donc nous allons voir combien d'ampères il nous sort à peu près. Neuf ampères. 0,09 ampères. Donc c'est pas tip top. Je vais essayer d'aller améliorer ça. Attendez. Je vais essayer d'améliorer ça. Bien sûr, si le moteur. Ampères, 5, 5 ampères, 5 ampères. Voilà, nous avons atteint les 5 ampères avec quelques soucis de fil et de moteur. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et merci de m'avoir regardé. Allez, ciao.